vidéo sur mes incroyables talents, j'avais envie de vous parler des choses que je ne sais pas faire, contrairement à la majorité des gens. Ouais bah ça va. Voici donc les talents que je n'ai pas. Je ne sais pas cligner des yeux. Aïe. Oh, oh. Pas pratique pour draguer. Salut. Hey. Hey. Salut. Non mais n'aie pas peur. Attends. Je ne sais pas faire craquer mes os. Ah, tu veux pas craquer? Ah, tu veux pas craquer? Ah, tu veux pas craquer? Bah tiens, craque. Je ne sais pas écrire de la main gauche sans que ça ressemble à une écriture d'enfant. Mais c'est pas mal en fait. Je ne sais pas toucher mon nez avec ma langue. Mais par contre, je sais toucher mon menton avec ma langue. J'ai l'air un tout petit peu con, mais j'y arrive. Je ne sais absolument pas faire les accents. Bonjour, ça c'est l'accent toulousain. Ah, toulousain, je sais bien le faire bien, toulousain, tout ce qui se termine par ain. Le reste, je ne sais pas, c'est bien. Oh, c'était bien. J'essaye de faire l'accent belge une fois, mais je n'arrive pas. Ça tourne vite à l'accent allemand. Bon, alors c'est pas loin, vous me direz, mais c'est bizarre quand même, non? Je vais faire l'accent belge et que j'arrive pas. C'est pas compliqué, tout le monde sait faire l'accent belge une fois, non? Je ne sais pas dessiner. Alors, je vais essayer de faire un visage. Ça, ça va. Un arbre. Ou un poireau, je sais pas. Un cheval. C'est là que ça se complique. Il sourit, voilà, il est content. Voilà, c'est une licorne. La licorne, elle est là, voilà. Et il a des poils comme ça. Et on peut mettre un monsieur dessus qui fait du cheval avec la selle et je sais pas dessiner. Je vais faire une voiture, ça c'est facile. Avec des roues, voilà, et un volant et des fenêtres. Ça ressemble à rien. J'essaie de faire un soleil. Je sais pas dessiner. Je ne sais pas faire les emballages cadeaux, mais j'essaye quand même. Voici un petit tutoriel pour faire de jolis emballages cadeaux pour Noël. Alors, on commence par prendre le papier dans le déroule, on en prend une bonne quantité, vous n'en avoir trop que pas assez, hein. Alors, on a plus besoin de ça, on met l'objet dedans, on referme, voilà, on coupe l'excédent, vous voyez qu'il y a un petit peu d'excédent ici, on n'hésite pas à venir le raboter, on le rabote, on peut aller comme ceci, hop, on a plus besoin de ça. Ensuite, pour fixer ici, nous prenons notre scotch, nous découpons un morceau de scotch, s'il veut bien venir, voilà, vous mettez, reste ici toi, vous mettez le scotch ici, oh, ici. Ensuite, vous voyez que ce n'est pas terminé, on peut construire un cadeau comme ceci. Vous pliez le papier comme ceci, et puis vous mettez encore du scotch. Il est où le petit bout? Il est là le petit bout. Hop, 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 hop. Soyez bien généreux sur le scotch, hein. Il ne faut pas paraître radin. Et cette fois-ci, petite astuce en diagonale pour bien tenir. Vous voyez comme c'est beau tout de suite. Voilà, alors c'est sûr que cette partie-là n'est pas très jolie, je vous l'accorde, mais. Vous avez un magnifique papier cadeau. Ah, quel plaisir de déballer. Je ne sais pas toucher mon coude avec ma langue. Mais bon, ça personne sait le faire. À mon tour. Oh ouais. Je ne sais pas éplucher un fruit. Ah. Ça m'énerve. Je ne sais pas faire des proutes avec mes mains. Pourquoi tout le monde peut le faire cela? Allez. Ah, oh. Oh, bah j'ai réussi, tiens. Oh. Mais oui, c'était avec mes mains. Mais oui, tout à fait. Je ne sais pas siffler avec mes doigts. Je ne sais pas réciter rapidement l'alphabet à l'envers. Z, Y, X, W,
W R R R Q Q Q Q Q Q Q P I A ou alors je peux essayer comme ça. Je ne sais pas toucher mes pieds avec mes mains quand je suis debout. Et vous, quelles sont les choses que vous ne savez pas faire? Racontez-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Bye.